Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Gris. Alors voilà, donc après avoir affronté une sorte d'anguille, excusez-moi, gigantesque, on a fait notre petit bout de chemin comme ça, et puis on a pu recommencer à prendre une inspiration pour refaire des sons avec la voix. Bon, moi je le fais mal, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu le délire. Et du coup, en fait, en le faisant. Voilà, donc là vous le voyez pas parce qu'il y a déjà plein de fleurs de partout, mais en clair les endroits où ça a l'air un peu décrépit, un peu, comment dire, un peu renfermé comme ça, quand on fait ce cri-là en fait ça fait pousser des fleurs, ça redonne un peu du vivant à l'endroit, et du coup aussi ça permet de débloquer aussi des points d'accès. Donc du coup justement grâce à ça j'ai pu monter ici, et profiter de, comment dire, de ces points d'accès pour venir récupérer un point de sauvegarde. Donc là maintenant il me faut redescendre. Je ne sais absolument pas où est-ce que je dois aller par la suite. Donc on va repasser par là. Ah bah par là du coup. Voilà. Non, si je le fais là, vous voyez, ça va le faire avec les plantes. Voilà. Ah bah. Bah c'est même parfait parce que du coup ça permet de débloquer la suite. Ah oui, on peut aussi plonger maintenant. On ne pouvait pas. Il y a un certain temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, on flottait juste à la surface de l'eau. Là, on peut plonger. Hop, on va sauter de l'autre côté. Voilà, on fait pousser les lotus. On a un passage par là aussi. D'ailleurs, ça fait quelque chose si je le fais ici. Ah non, d'ailleurs, on n'a pas de passage. C'est bloqué, justement. Vous voyez, je peux pas passer. Du coup, il faut que je descende. Ah, je peux pas passer par là. Du coup, je suis obligé de descendre par la colonne d'eau. Voilà. On peut le faire sous l'eau, le cri? Non, sous l'eau, on ne peut pas faire, sous l'eau, on ne peut pas faire de cri. Yes. Hop, on va passer par là. Ah merde, je peux pas atteindre l'autre côté. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt à le faire à chaque fois, pour tout rendre tout beau. Ah, on dirait que le fait de faire ça avec les pans, ça fait quelque chose. Wow, c'est beau. Ah, d'accord. Je crois que ça finit par disparaître au bout d'un moment. Ok. Alors là, je suis bloqué comme un con parce que j'aurais pas dû y aller en fait. Comme un sacré con même d'ailleurs. J'ai même pas fini d'explorer ce qu'il y avait avant. Ah, peut-être avec ce saut-là. On va peut-être repouvoir accéder à l'endroit où j'étais. Yes, c'est ça. En tout cas, c'est magnifique comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon,
Bon, apparemment, ça suffit pas aux plantes qu'il y a là à se libérer. Je suppose que l'objectif, c'est vraiment de les faire se libérer, ouais. Ah oui, du coup, ça fait des plateformes. Ok. D'accord, donc on va faire ça. On va monter là. Non, même pas. Bah. On va monter là. Voilà. Ah si, on peut. Merde. Voilà. Et là, ça va pouvoir libérer la grande fleur. Nickel. Ce qui veut dire qu'ensuite, si je saute là, je peux le faire sur celle-là. Voilà. Et ensuite, il faut que je ressaute ici. Ah non! Voilà, je peux faire ça comme ça. Ah putain. Quel boulet looping! Si je le fais là, ça va marcher, vous croyez? Ouais. Là, ça marche. Bah attendez, mais ça aurait dû marcher de l'autre côté aussi alors. Voilà, on va sauter ici. Tac, ensuite, hop, double saut. Un autre double saut là. Là, on saute. Et on le fait là. Normalement, ça va marcher. Ah, voilà. Donc là, j'ai tout comment dire? J'ai tout libéré. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Je n'en sais strictement rien. Aïe aïe aïe, comment je peux faire? Parce que la suite du passage, ça a l'air d'être ici. Ah, mais attendez. Je crois que j'ai compris. Je saute là. Ici ensuite. Là. Là. Ici. Ah, putain. Bon, je recommence. Ici. Bon. Je suis trop précipité. Voilà. Je saute là. Ensuite, je saute ici. Puis ici. Là, ici. Là, je saute tout droit, ça me fait passer là. Et là, je fais tac, tac. Tac, tac. Et là, hop. Hop là, voilà, c'est bon, j'y suis arrivé. Ok, donc là, je suis repassé à l'envers. Oh, c'est carrément une galaxie qu'il y a derrière. Ah, je voulais pas tomber comme ça, mais c'est pas grave. C'est beau. Toute façon, il n'y a pas d'autre mot, c'est beau. C'est mignon. Ah, là on va pouvoir sauter en fait. Ah, mais c'est la suite du passage, d'accord. Faut qu'on ait la colonne d'eau du coup. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est me transformer que je vais faire. Voilà. On nous fait passer par en dessous. J'ai envie d'éternuer. Ah, mes souhaits, pardon, excusez-moi. Ok.
Ok. Donc là, je suis obligé de passer par là. Là, je vais me retrouver juste au-dessus du Zozio. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Mais je suis déjà passé ici, en fait. Bah oui, j'y étais déjà passé par là. C'est là où j'étais tout à l'heure. Fameux. Bon, là ça fait rien. Ah, d'accord. Mais ça, je l'avais déjà fait, ça. Ouais, tout ça, je l'avais déjà fait. C'est pas où je dois aller. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de faire une grosse connerie là? Ah, ça par contre, j'ai pas fait ça. Donc là, il y a un point de sauvegarde. Ah, d'accord. C'est pas un point de sauvegarde, ça fait tomber des plateformes. Oh. Non! Putain! Quel boulet! Voilà. Ouais, donc là, j'ai pas le choix. Merde, comment je peux faire? Ah, putain, je suis con. Il fallait que je fasse le cri pour développer les... Voilà, hop, on remonte dessus comme ça. Je crois qu'ils avaient prévu le coup, c'est pour ça qu'ils ont mis les petits papillons dans l'eau là. Voilà.
Donc là, il y a une inversion de gravité. Là aussi. Ah, ok, d'accord. Donc là, faut que je fasse attention où je vais, là, par contre. Donc là, on a encore des papillons. Est-ce que c'était fait exprès? Je suppose. D'accord. Voilà, ok. Ah oui, ok, j'ai compris. Je vais devoir jouer avec les deux plateformes dans les deux sens pour ensuite passer l'autre côté de la structure là qui me bloque là. Voilà. Voilà, et là je vais devoir attendre que ça remonte. Sans passer à travers la délimitation. Ok. Je suis obligé de descendre, j'ai pas le choix. Ok. Là, je commence à avoir un sacré paquet d'étoiles avec moi, là. Allez, hop, transformation. Justement, ça me dit quelque chose cet endroit. Je suis en train de revenir en arrière là, non? Je n'y comprends plus grand chose. Là, il y a la fameuse araignée de tout à l'heure. Donc, j'ai tout exploré là. Ah, embêtant ça.
Ah, les étoiles là. Ah, non. C'est par là que je dois passer, je pense. Ok, super. Donc là, gros cri, non, gros cri, j'ai dit. Waouh. Ah oui. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça a carrément tout retourné. Ok. Ah bah oui, forcément. Ah bah là ça forme carrément un passage. Il faut que j'arrive à monter là-haut. Il y a quoi par là-bas? À la limite, je plane. On va éviter de sauter dans le vide maintenant. On va aller voir les petits papillons qu'il y a là-bas. Non, comme ça. Voilà. Ah oui, bah j'étais presque en fait. Alors, on recommence. Ah non! Bah, c'est quoi cette arnaque? Voilà. Pourquoi elle regarde là? C'est de l'autre côté que je veux aller, moi, madame. Oula. Ah non, non, c'est pas bon signe, ça. Oh merde. Elle a pas peur? C'est le visage d'une femme là, non? Ah bah c'est nous. C'est trop beau! Ah, ah oui, elle a tous les trucs autour d'elle. Elle retombe comme au début du jeu. C'est nul, je voulais monter dans les étoiles, moi. Oula. Ah, bah d'accord. Ok, je crois qu'il va faire tout noir. On dirait qu'on nage dans de l'eau saumâtre. Ça, c'est des morceaux de doigts. On sait pas trop s'il remonte ou s'il tombe. Morceau de visage. Ah, on arrive à la surface. C'est eu un tanker pétrolier qui a coulé, c'est pour ça.
On va continuer à monter, on va voir jusqu'à ce qu'on nous emmène, hein, mais... Et c'est une main, ça. Mais ça fait rien. Ah, faut maintenir bien enfoncé. D'accord, merci pour l'astuce. Ah, d'accord. Ok. Bah attends, elle est en train de reconstituer tout, en fait, là. Elle s'est reconstruite, on peut dire, en fait. C'est vachement beau quand même. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Oh, il pleure. Ah, donc c'est pas exactement fini en fait. D'accord. Enfin, je crois. C'est bizarre. Donc là, on va pouvoir bouger, je suppose. Ça y est, maintenant, elle peut plus s'empêcher de chanter. Je me demande où est-ce que ça nous emmène tout ça. On disparaît carrément dans les nuages. Ok. Je continue à avancer avec le joystick au cas où. Ah, d'accord. C'est fini. Bon, ok. Ah bah franchement les amis, c'était un jeu mais il était juste magnifique. Là vous voyez à la fin, enfin de toute façon vu ce qui se passait on se doutait que c'était la fin, mais je pensais pas voilà que on y était si près du but. Tout ça pour dire que j'ai pris une claque graphique.
Même au niveau de l'audio, pareil, au niveau de la musique par Berliniste, c'est pareil, c'est une vraie claque. Le jeu en lui-même, il m'a rendu triste, émerveillé, enfin je suis passé par tout un tas d'émotions, tu vois, un peu de peur aussi, tout ça, avec les différents boss, tout ça. Mais, waouh, il est puissant ce jeu, franchement il est puissant. Et puis il joue tellement bien avec la couleur, l'environnement, enfin, il n'est pas compliqué à jouer. Et puis on est vite entraîné dedans, quoi. Ah ben, je regrette vraiment pas cet achat, en tout cas, déjà, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu aussi, enfin autant que moi, voilà tout simplement. Là tout à l'heure quand je me suis dit que j'allais enregistrer, j'étais persuadé que j'étais reparti encore pour un long moment d'enregistrement. Je m'attendais pas en fait qu'on soit aussi proche de la fin, à tel point que quand j'ai senti que ça arrivait dans ma tête, j'étais en mode oh non, ça y est, on y arrive quoi. Tu vois? Et j'étais un petit peu déçu. Je voulais pas que ça arrive, je voulais continuer à explorer divers paysages, continuer à jouer avec les couleurs, tout ça, tout ça. Mais non, au bout d'un moment, hein, il faut bien que ça se termine, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis bah là, du coup, ouais, voilà, c'est la fin. Mais en tout cas, je ne regrette pas ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avancer peut-être un petit peu les crédits? Non? Non, même pas? Bon. En tout cas, ils ont fait un travail formidable. Ceux qui étaient à l'animation, là, par exemple, voilà. Je commence à détailler un petit peu ce qu'il y a dans les crédits. Non, mais franchement, je vous le conseille. Il est, je crois, à peu près 20 euros sur Steam. Il est à 8 euros, je crois, sur Instant Gaming. Donc après, à vous de choisir où est-ce que vous l'achetez. Il est disponible sur PS4, Switch, PC. Et je sais plus s'il y avait une autre plateforme sur laquelle il était disponible. Mais voilà, si j'ai juste une chose à dire, c'est foncer. C'est... Voilà, y a pas à chier quoi. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, c'est super agréable d'y jouer. C'est sûr que c'est pas un jeu sur lequel on va revenir souvent parce que bah, une fois qu'on a fait l'histoire, bah, on a fait l'histoire hein, tout simplement. Y a pas de place à une ouverture ailleurs ou quoi que ce soit. Donc peut-être un jour y rejouer comme ça pour le plaisir dans quelques mois. Voilà. Bah, c'est une chose que je ferais volontiers. Puis je pense que ça sera le meilleur moyen de profiter de ce jeu-là, c'est y revenir de temps en temps, se refaire un petit peu plaisir visuellement, comme ça. Et puis suivre un petit peu à nouveau l'histoire de Gris, voilà, qui a enfin pu retrouver son monde. Voilà. Et je crois qu'on arrive d'ailleurs à la fin des crédits. Peut-être une cinématique de fin? La Marvel? Qui sait? Non, même pas. Remerciements tout particuliers à nos familles et nos amis pour leur patience et leur support, et leur aide, leur soutien, pardon. Nous n'aurions jamais pu faire cela sans vous. Ouais, bah, remerciements à eux aussi, parce qu'on n'aurait jamais pu découvrir ce jeu sans ça. Voilà. Bon, bah, c'est ici que l'aventure de Gris prend fin et que notre petit let's play sur ce jeu-là prend fin aussi. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Et vous allez pouvoir me retrouver très vite sur le let's play d'Oblivion. C'est un autre style, hein, mais c'est tout aussi bien. Voilà, allez, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, c'était Looping, bye bye.